Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un retour de course. Je suis allée au Lidl, vous m'avez dit de tester Lidl. J'ai testé, je pense que je n'ai pas été dans le bon Lidl. La semaine dernière, j'avais été faire une ou deux courses comme ça pour appris à d'appoint dans un Lidl qui est franchement au top à Cherbourg. Et là, je suis allée à celui de Saint-Lô et franchement, il est nul, mais nul. Il y a plein de trucs que j'ai pas trouvé, donc je pense que je referai une ou deux courses à Leclerc. Vous verrez dans le vlog prochain si j'ai fait deux ou trois courses. Donc voilà, vous allez voir, j'en ai eu pour 150 € et j'ai acheté beaucoup de viande parce que je vais congeler puisque vous savez que je reprends le jour. Donc il faut que je me remette au rythme du jour, je ne suis pas du tout habituée. Donc c'est vrai que je fais pas mal de batch cooking tous les 3 jours à peu près et comme ça, ça m'avance un peu dans le travail de la maison. J'ai toujours un bébé qui est ici, Saphir. Bref, je vous montre ça. J'ai pris 2 paquets de blanc de poulet comme ça avec 25% de moins en sel. J'ai pris 2 paquets de viande de grison. Nous, avec la viande de grison, je fais des bols de riz en fait, du riz basmati, viande de grison, des œufs sur le plat et avocat. Et franchement, c'est super bon. J'ai pris des crevettes à l'ail. Normalement, j'en ai pris 2, vous verrez certainement. Donc, crevettes à l'ail. J'ai pris 2 paquets de poitrine comme ceci pour faire des eggs muffins. J'ai pris des citrons, des kiwis jaunes. Si vous aimez les kiwis jaunes, ils sont vraiment très très peu chers chez Lidl. Donc voilà. J'ai pris, je vous en montre qu'un, mais j'ai pris 3 paquets de fromage râpé. Pareil, comme ça je vais en congeler. J'ai pris un petit peu de crème liquide entière. Si vous entendez, c'est Mathias qui rentre. J'ai pris 2 pots comme ceci de fromage blanc 0%. Je ne sais pas si on a déjà goûté celui de chez Lidl. J'ai pris des yaourts à la grecque comme ceci aux fruits. Ici, c'est l'île de fruits rouges, donc framboise et mûres. Voilà. Un comté. J'ai pris 2 paquets comme ça de tranches de l'Herdamer pour le matin ou même si Mathias en a besoin la journée. J'ai pris 2 paquets d'allumettes de bacon, ça sert toujours. Donc ensuite, j'ai repris du latte macchiato comme ça. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit qu'elle ne trouvait pas ça terrible. Franchement, je les trouve très très bons, les mêmes que les Lactel. Donc là, je vous en montre qu'une, mais j'en avais pris 5. Et ça, ça coûte 99 centimes. Dedans, il y a 330 ml, il me semble. Et ils sont plus grands que les Lactel. Et franchement, ils sont tout aussi bons, bien frais, c'est excellent. Là, je vais vous montrer toute la viande. Vous allez voir, il y en a pour un moment, mais au moins, on a ce qu'il faut. J'ai repris un filet mignon. Ils sont super bons, leurs filets mignons, et pas très chers. J'ai pris 4 côtes de porc en échine. J'ai pris des aiguillettes de poulet. Nous, on aime beaucoup le poulet, vous allez voir. Des pilons de poulet, pareil, c'est super bon avec... dans ma air fryer, vous savez, Ultenic, c'est le top. J'ai pris de la viande hachée, j'en ai pris 2, comme ça je vais en congeler 1. J'ai pris 2 paquets de médaillons de poulet, c'est tout simplement une escalope qui est coupée dans sa largeur. J'ai repris, vous voyez, des crevettes. Des aiguillettes de poulet encore une fois. Et 4 pavés de saumon. Voilà, donc je vais ranger ça et je vous montre un petit peu le reste juste. Mais voilà, une fois avoir tout rangé. Donc, en congelé, j'ai pris... On ne voit pas. Bah si, on t'a vu. Merde. C'est pas grave, je vais recommencer. Tu me fais rire quand t'as... Ah, bah, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu marches comme ça? T'as mal au pied? Ah mais j'ai oublié, c'est au tonnerre. Bon bref, me revoilà, j'ai tout rangé. Je recommence que ma tête c'était là. Bref, en congelé, j'ai acheté des framboises. Bah, maintenant, c'est Ruby. Pour faire des smoothies. Il faut que je pense le soir à les sortir parce que moi j'aime pas les smoothies glacés et au moins ça aura bien décongelé. Donc suivez dans les vlogs, j'essaierai de vous filmer tout ça. J'ai repris quelques gâteaux apéro, j'en ai pris 2 boîtes comme ça, des mentales crackers, ils sont très bien. J'ai repris également 2 packs comme ça de thon. Pour le matin, j'ai pris des petites brioches comme ça de chocolat, de pépites de chocolat au lait, elles sont super bonnes. J'ai repris un pain de mie comme ceci aux 7 céréales et franchement il est plutôt très très bon. Il est comme le pain à riz donc c'est plutôt cool. Et j'ai pris des sacs poubelles aussi, 50 litres, j'ai oublié de vous les sortir. Et j'ai repris du liquide vaisselle, j'ai pris le W5 vert à l'aloe vera et j'en ai pris 2 parce que
J'en ai mis un en route puisque je n'en avais plus du tout et j'en ai un en stock. Comme ça, voilà. Je pense que c'est une toute petite vidéo, vraiment toute petite. Mais je vous la filme et je vous la mets aussitôt en ligne. Jusqu'à dimanche, vous aurez une vidéo par jour. Donc voilà, si ça peut en contempler plus. Demain, en vidéo, vous avez une vidéo sur le dressing. C'est une boutique qui appart chez moi. Samedi, vous avez une vidéo make-up et dimanche, une vidéo PMA. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Mathias, je coupe pas, tant pis pour toi. Il savait que j'étais en train de filmer. Bref, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.